micro est accolé, on est récupéré comme d'habitude. Mesdames, messieurs, on va continuer hein, dans cette émission. Frère Pascal, félicitations encore pour l'interprétation. Merci. Pour la phase d'interprétation, chanson Yako. Yangui. Titre? Titre Eyano. Eyano, Inamanichani. Eyano, Djibou. Ah, Djibou. Ok, Djibou. Composition Yako. Composition. Frère Pascal, on a joué un instrument gagné parmi mes instruments et la musique parce qu'on a encore aujourd'hui mon guitare ou guitare aussi on a quoi on a joué oui mais on a joué presque instrument et synthé guitare basse guitare acoustique on a joué presque instrument et na drum na drum hein. Oui, drum quand même, kidogo. Drum na pika. Oui. À part ma composition, Zako, ou quoi aussi chante, interprète ça, na artiste, bako, on a inspiré. Oui, oui. Je pense, à part ma chanson Zangu, l'interpréteur, ma chanson, il y a artiste, bako, ça, à Toms. Ok. Nizoua, qu'on interprétait à Toms, c'est ça, na. À Bolamu, Sokiote. Artiste, d'accord. Point à l'azima sana ni kujua objectif ya retour yako. C'est vrai que kalemi ni nyumbana tu es au katalia kodia. Même si tu kikuliza kama pourquoi le redire tena, mais au moins question tu as quoi la réponse. Oui, oui. Alors pourquoi le redire? Mais la forêt sana quoi les questions. Kama mi na redire pas parce que Bible na sema Yesu kabambia banafunzi vous réserverez une puissance. OK. Le Saint-Esprit survenant sur vous. OK. Vous serez mes témoins en Jérusalem. Oui. Donc, nous sommes tous les tocra, tunaenda, Dieu nous a fait grâce, tunaenda na katu élevé, kule ou tulipita, tulikuwa bichwa. Okay. Parce que vile mungu anasema, utakufanya kwa kichwa, face au tapita. Oui, la tête, non la queue. Oui, non la queue. En tout cas, Dieu tena, akatufanya tena neema, tukaendelea, tukapandisha huduma. Sikupenda kubakia kule, kwenye banijuu, ifo kuanzia kwa na Jerusalem. Njoo, Jerusalem yetu ni hapa kwetu Kalemi. Il faut qu'il y ait qu'il y a kwanza pa Kalemi kuonesha bazazi yetu batoto ya Kalemi ba chrétien ba pasteur ba ngalie ile kazi yenye Mungu alitenda ni yetu tunakuwa mu niveau gani. D'accord, c'est une bonne chose. Félicitations encore karibu kwenu Kalemi kwetu Kalemi karibu tena mara nyingine na sasa unarudi na c'est vrai huduma ndio mais unarudi encore ko continuer moele makoral uzikutaka notamment collaborer na Salem Siloé ou soit unarudi na ma objectif en fait disons ma vision zingine quand tu sais ma projet zingine voilà ma projet zingine. Oui oui. En tout cas nilikuya pa juste nilikuya na un album album ya 8 titres. OK. Alors, il y a juste une coproduction, coproduire l'album en Guapa. On a un monde où on a passé la vision, on a passé la Fania. On est des prédicateurs, parfois on prêche à travers la chanson, la musique qui on a prêché. En tout cas, peut-être chose qui est pratiquée dans le Kanisa Fulani, mais à travers la chanson Yangu. À travers la parce qu'il y a un manège Kundani, il a édifié. C'est une bonne en chose. Tout cas, Karibu tena, karibu tena kwa ma projet, c'est vrai. Album yako ya 8 titres, on a kwa kuproduira pa, je ne sais pas, la production c'est sur quel plan, donc tournage, ya ma clip ingine ou soit kabula ma CD ou je ne sais pas, tu expliquer un peu moi l'essence à production. Oui, oui. Nerefika na djua kuproduira album, donc avant kuproduira ma CD kwanza, parce que nous faisons ka audio, goma, na nika fan quelques vidéos, kukabakia quelques vidéos nye si amaliza. Nilisema siwezi kumaliza yote goma kule mabeni bunye hapana. Ifo ni rudi kwetu maya langi. Kameme image yetu ya Kalemi. Naona vile Kalemi shakua. Kameme sa mefera di bien. Tena inaongiza tena nini. Pa juu. Je ne voulais pas quand même laisser ce message ici. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Fatih depuis l'avenue Maïla. Ces messieurs-là qui me donnent son adresse sur YouTube ou Instagram. Merci de votre compréhension. Donc, c'est aussi na profiter quoi kusema que est-ce que déjà ou qu'on a zilé ma compte sur les réseaux sociaux et nyewe même baleba to ban on a chance ya kufata ta télévision, ils peuvent être à la maison n'importe quand bataiser ou suivre un peu. Oui, oui. Et quoi, quand on a la chaîne YouTube, et quoi, okay. Au nom de Frère Pascal Tumunga. Frère Pascal Tumunga. D'accord. Frère Pascal Tumunga, gratitude. Ok. Ah, ok. C'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est la seule chanson qui est d'abord disponible. Oui, après. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, avant de chuter avec cette émission, j'aurais aimé que Frère Pascal Tumunga fasse
Deuxième interprétation, c'est une très bonne chose. Et non de ta chanson, mais on a voulu à ce que Oufanieko interprétation, il y a artiste notamment. Je ne sais pas si tu vas prendre Atom, si tu vas prendre qui. C'est une très bonne chose. Soki ote masi andenga yo sinabemba kalao. Soki ote bache na liste aliwa balenge langa pona kufa kasi mokonzi monene andimi kokufela nga héritier du malheur parle ça avec linga ko innocent. Si mon cousin mon ami a dit qu'on peut faire l'anglais, son qui ôte, ma si en dégaille, la sinabé bacala. Son qui ôte, ma si en dégaille, la sinabé bacala. Son qui ôte, son qui ôte. Yo soy anga eco sanzola, mon consiro y antimaliwa ponanga, mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à Jésus, au bilembo y a mon thème, pas efface à Kateo. Aïe. Merci beaucoup frère Pascal, vraiment. Je suis content une fois de plus. Je pense que tu peux quand même rester comme ça la guitare et Yako. Oui. Ça va faire du bien pour bien continuer quand même. L'interprétation, ça fait du bien de manière qu'on a ifanya mon manière Yako. Donc on a interprété, mais on a beba rythme Yako moyen sur place. Qui tu gagné qui n'a fanya comme on a interprété chanson et artiste monnaie ça. Qui n'a tout mal qu'à interpréter. Mais comme il a interprété, parce qu'on a dû avant on fait mon niveau ya oule, moi le butangulia quand même il faut une amouiga kwanza. Dieu. Parce que ben Dieu va le butangulia, à Tom sur les guinées beauté vale, on a pas fata quand même Dieu na on a pas ta élan, parce que nianza ko interpréter mbele, nimbo ya Tom sur ça na Gaël, ma frère les guinées jusqu'à présent. Na kuta niveau yangu na pana parce que nous avons interprété mbele. Oui, oui. Jusqu'à présent mina kwa na composer ça ma cantique yangu sasa. Uta comprendre ma chanson yangu ma façon yangu kuimba utasikia timbre moi kwa savile. Atom se met ina ta peut-être kidogo. Parce que moi quand j'ai senti ton interprétation ni kafta ni bakia toujours moi Atoms mais d'un moment où on tata na kutoka kidogo mais nikachukuta nikisema ni toshe sauti hapa taenda organ. Il y a le frère Kamainza, c'est aussi un chanteur. Donc, qui te salue, Pierre Kamainza qui dit bonjour, monsieur le journaliste, Yav Mouchi, j'encourage vraiment le frère Pascal Tungunga, que le bon Dieu lui fasse grâce dans son carrière, dans sa carrière solo. Voilà. Amen. Frère Kamainza, c'est parmi frères, au niveau local, mon choral, Zamingi, on a collaboré aux côtés de Franck Moufoua et les autres. Donc, je salue d'ailleurs tous les chantres, donc, musique, gospel, les autres, il y a Tanganyika, présentement. Qui est ce que tu as par rapport à retour et à qu'on a balé bonjour l'écoute, est-ce que tu as essayé de collaborer ou soit tu as essayé de faire un projet en solo? Vraiment, mais n'avais souhaité qu'on ait bonne chance. Ok. Et vu mes filles capa, en tout cas message n'y a pas de papachia. En tout cas, on est à Tanganyika, calmez-vous, qui tu amène à ça, on a dû tourner les mbélé. On a pas cherché au moja. Na upendo. Et na upendo, nous tournons les mbélé. Kama akuna umoja na upendo, atutendelea. Kabisa. Na ya miziki, uimbaji, akuna mwana juwaka. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Ok. Donc, on a inspiré. Alors, ensemble, tout à l'heure, tu collabores, tu as partagé ma idée. Tu as dit que tu as divisé, tu as fait division, nini. Tu as dit que tu as. En tout cas, Yamana, tu as dit que tu as. Et puis, il n'y a pas. Bientôt, là, je vais produire. Tu vas produire ma louange, adoration, nini, juste qu'un concert. On va souhaiter vraiment.
donc Nicolas Penda assistance CN. Oui, oui. A vraiment mukila kitu inta fanya tuko pamoja tusuko sa vile mtu mwana fanya huko. Na mwana mbloke. Na mwana mbloke. Il y a la sœur Sophie Ephraim qui te félicite, anakufélicité na anasema Mungu akubariki mkazi yako yenyewe uko naifanya. Ya mama Claudine na yeye anashukuru, anakufélicité na anasema Mungu akubariki mkazi yako ile yenyewe uko unafanya. Merci quand même ku ma message yenu na ku encourager bote benikondelea. Merci beaucoup frère Pascal hein, c'est Médard depuis DAV. Naye anakufélicité. Donc au-delà ya ma message tuko tunasoma uwe ke bamingi banakufélicité na bwo anakufuata kitu ya lazima sana nyo kuna yo. Frère Pascal Tungunga donc eco spécial apa invité et tout. Moi hii émission à top weekend ni mtoto wa Kalemi mwenye alitokaka marazima masomo na bingine mais akwachaka kazi ya Mungu. Kazi ya kuimba parce qu'il kipaji kiko ndani yake. Alors anarudia c'est pourquoi à tout le monde recevoir apa tu as kuonesha au moins Evresa kile kitu kingine binaendelea. Frère Pascal, musique ya gospel pour toi, c'est quoi donc? Ni kitu nini ni kwako donc? Ni kazi soit ni sijui. Unajua musique ya gospel d'ailleurs kwanza unajua ni kazi ya Mungu alitutia ndani yetu. Mm. Kipawa don ya Mungu alitia ndani. Yaani don ya kuimba, mli don ya kuimba. Unajua kazi ya Mungu. Mm. Ndio maana nilisema hapa ces zingine siwezi kupita kwa mazabao mimi na prêcher mimi na hubiri mais naanza kuhubiri à travers la musique moi je prêche. Mm. Donc ni kazi ya Mungu mwa alitia ndani yetu kusudi sa tutaanza kuimba sa ile message itapita mwa watu yote na moyo akuwa alikuwa kutokuamini anaamini. Okay. Donc ni kazi ya Mungu yeye alituitia tukufanye. Okay. Jusqu'à présent moi je chante parfois je prêche. Ah. Parce que oui. Bah. Ah, ok. C'est que je viendrai après. Avant de clôturer, je pense que vous avez préparé encore pour l'interprétation de ma chanson Zako. On a peut-être tout fait à esthétique d'une manière ou d'une autre. On a zingisa de manière que tout ce que j'ai préparé déjà un kichwa.